Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq. Bonsoir, Alex. Émilie, votre choix de l'actu du jour. C'est rare que Brigitte Macron s'exprime en public, sauf quand une cause lui tient à cœur. Et cette fois, c'est le harcèlement scolaire et plutôt le cyberharcèlement. Mohamed, votre story du jour. Babette, ça vous est déjà arrivé d'accoucher sur une nationale? Non. Non, écoutez, je vous raconte l'histoire fantastique d'un bébé né au bord de la route. Ça se passe en Charente-Maritime, vous saurez tout ce soir. Mathieu, votre 5 sur 5 ce soir. Rien à voir, moi, rien à voir du tout. Le CAC 40 euphorique, la Bourse de Paris qui bat des records. On vous explique tout avec l'économiste Marc Touati. Votre choix, Eva. Alors, rien à voir non plus. Je vous emmène découvrir Gandhi, une éléphante qui a trouvé refuge à Limoges. Et oui, ah c'est oui. Possible. C'est que des histoires extraordinaires. Et Patrick, votre édito du jour. Théâtre, concerts et musées qui ne font toujours pas le plein depuis la crise du Covid. Un sujet qu'on évoque avec notre invitée, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci de votre présence. On dialogue avec vous ce soir avant de recevoir Muriel Robin et le leader du groupe Gorillaz, Damon Albarn, autour d'un pitivier de canard. Le pitivier, c'est une tourte. Exactement, c'est une tourte donc avec du magret de canard, du foie gras de canard et une farce à base de champignons. Ça fait maigrir ça. Oui, c'est léger. C'est prévu. On vous prévoit un petit plat emporté, chère Roselyne, pour vous accompagner ce soir à la Gaîté Lyrique, je crois. À l'Opéra Comique. Vous vous rendez tout à l'heure. Patrick, votre édito. La crise du Covid a-t-elle fait perdre aux Français leurs habitudes de sortie culturelle? C'est la grande inquiétude. Dans les entreprises, les 126 jours de confinement ont donné à beaucoup le goût du télétravail. Dans le domaine culturel, les presque 300 jours de fermeture des cinémas, théâtres, musées et salles de concert ont consacré, si je puis dire, la téléculture, la consommation à domicile de films, de spectacles ou de musique. Les milieux culturels voulaient croire à une parenthèse, mais depuis la réouverture, c'est surtout les bars et les restaurants qui font le plein, besoin et plaisir évident de se revoir, de se retrouver, tandis que les habitués des théâtres ou des concerts n'ont pas tous repris le chemin des salles. Alors la parenthèse aurait-elle tourné à la révolution culturelle. Est-ce que tous les secteurs ont perdu des spectateurs? À des degrés divers. Le cinéma est en train de relever la tête grâce à une série de grosses sorties. 3 300 000 entrées pour le dernier James Bond en 4 semaines. Plus d'un million en 2 semaines pour le film de super-héros Venom. Eiffel vient de dépasser le million. Le Loup et le Lion atteint les 750 000. Illusion perdue, 440 000. Ah. En tout, 14 millions d'entrées au mois d'octobre. On est revenu au niveau de juillet, le meilleur mois de l'année. Mais les plus petites affiches, les films d'auteurs continuent de souffrir et surtout les musées, les spectacles vivants n'ont pas retrouvé leur public du monde d'avant avec ici et là des salles à moitié vides, des abonnés en moins comme à l'Opéra de Paris, 40% d'abonnés en moins au Théâtre des Célestins de Lyon. Dans un sondage commandé par votre ministère, Roselyne Bachelot, réalisé début septembre, près d'un tiers des Français disaient vouloir réduire leurs habitudes de sortie d'ici la fin de l'année. Première raison invoquée, la crainte d'attraper le virus en se rendant dans des lieux trop fréquentés. Et pour l'avenir, c'est le chiffre le plus inquiétant, un quart des Français et un tiers des moins de 35 ans disent désormais privilégier les moyens numériques pour accéder au contenu culturel. Victoire de la téléculture. Le secteur a néanmoins largement bénéficié du quoi qu'il en coûte. Oui, si la demande est en crise, l'offre a été sauvée. Toute aide confondue, plus de 13 milliards d'euros ont été mobilisés depuis le début de la crise. Plus de 3 fois le budget de votre ministère. C'est sans doute sans équivalent dans le monde. Dont 8 milliards de chômage partiel et de prêts garantis par l'État. 1,3 milliard pour l'année blanche des intermittents. Et 1,5 milliard d'aides sectorielles, dont 800 millions pour le spectacle vivant, 450 millions pour le cinéma. Vous avez dépensé sans compter et peut-être un peu trop, sans forcément vérifier que les aides n'ont pas dépassé les pertes. Les magistrats de la Cour des comptes ont levé un sourcil, et même les deux, en découvrant que les établissements qui avaient été le plus aidés n'étaient pas des théâtres, mais des cabarets. 1 million d'euros pour le Crazy Horse, autant pour le Moulin Rouge et le Paradis Latin, 700 000 euros pour le Lido, quand le Printemps de Bourges ou le Colisée de Roubaix n'en ont touché que 500 000, comme le Cirque Bouglione, c'est-à-dire beaucoup plus que les théâtres privés parisiens, les girls et les acrobates avant les comédiens. C'est le cas, Roselyne Bachelot ?
Nous avons évidemment, non, il n'y a pas de préférence. Nous nous basons évidemment sur les pertes de chiffre d'affaires et effectivement, elles étaient très fortes. Mais les cabarets font partie du secteur culturel. Mais merci à Patrick Cohen d'avoir très précisément dit ce qui se passe dans cette rentrée culturelle. Cette rentrée, et j'ai voulu poser une borne avec cette étude qui a été faite à la fin août, début septembre, pour voir si la diminution de fréquentation était conjoncturelle, c'est-à-dire c'était une sortie un peu molle de la crise, ou s'il y avait des éléments structurels de changement des habitudes culturelles des Français, de leurs pratiques, pour pouvoir donner les bonnes solutions. Si c'est une sortie de crise un peu molle, on peut continuer à donner des aides pour leur permettre de sortir de la crise. Si par contre il y a un changement structurel des pratiques des Français, il faut évidemment avoir En tout cas, il y a les prémices d'une révolution culturelle. J'ai l'intuition qu'il s'agit d'un changement structurel. J'en ai l'intuition, ça a besoin d'être vérifié, mais on le voit bien, le télétravail, ce que vous avez appelé la téléculture, la crainte aussi de sortir de chez soi, ça oblige à des mesures structurelles. C'est ce que nous faisons, par exemple, avec le plan d'investissement d'avenir, avec France 2030, où nous allons investir dans des studios, nous allons investir dans de la formation. Vous l'avez vu dans un excellent article du Monde aujourd'hui, on a un vrai déficit de personnel formé sur certains secteurs de la culture. Nous avons besoin d'étoffer nos pratiques en ce qui concerne la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Tout ça, il faut donc accompagner le secteur dans ces réformes structurelles. Pour avoir une offre numérique plus riche. Oui. Mais pour ce qui est du spectacle vivant qui attire de moins en moins, qui est boudé, quelles solutions concrètes maintenant ? Est-ce que ça condamne, par exemple, des petites salles qui proposent des programmations plus pointues, plus exigeantes, plus difficiles ? Moi, je ne pense pas. Je pense aussi qu'il faut se développer sur un certain nombre de mesures d'accompagnement. L'éducation artistique et culturelle. On a doublé les budgets de l'éducation artistique et culturelle au cours de ce quinquennat. Pour trouver de nouveaux publics, le pass culture que nous mettons en place et que nous avons généralisé est un vrai succès. Au début, les enfants ont acheté des livres parce qu'ils n'avaient pas d'offre culturelle. Maintenant, elles se diversifient et nous voyons qu'il y a des achats de billets de spectacle. Là aussi, avec une démarche où on accompagne, on apprend, il y a une médiation culturelle pour permettre, avec le pass culture, justement, de trouver de nouveaux publics. Et c'est ça qui va permettre aux structures culturelles de s'en sortir, de nouveaux publics. Vous pensez que si on découvre l'opéra à la télévision, on finira par y aller, Roselyne Bachelot ? J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Si on pense raisonnablement, parce que souvent les gens, pourquoi ils vont pas à l'opéra ? C'est pas seulement une question de prix d'un billet. Quelquefois, des spectacles de musique actuels sont plus chers que des places d'opéra. Beaucoup de jeunes pensent ça, c'est pas pour moi. Et s'il y a une médiation, un accompagnement, on trouvera aussi de nouveaux spectateurs. Mais vous disiez quelque chose d'important. Dans les pratiques culturelles, on voit par exemple que les gens hésitent à faire des réservations ou des abonnements. Mais quand on va à l'Opéra de Paris, la salle est pleine. Donc, c'est bien qu'il y a aussi des pratiques de consommation, de ce mot. On ne réserve plus si longtemps que ça à l'avance. On ne veut plus réserver si longtemps à l'avance. Moi, qui suis une vieille bête, je prenais toutes mes réservations de spectacle pour toute l'année. Ben ça ne se fera plus. Et il faut que les structures s'adaptent aussi à ces nouveaux modes. Le théâtre de Chaillot a supprimé les abonnements, préfère des cartes de réduction. Exactement. Est-ce qu'il ne faut pas demander aux producteurs, aux patrons de salles de spectacle, de salles de concert, de baisser les prix pour être plus attractifs, Roselyne Bachelot ? Oui, il y a de toute façon des coûts fixes, vous savez, dans ces structures-là, et en particulier dans un théâtre national comme les Chaillot, on n'est pas là pour faire des bénéfices, puisqu'il y a une subvention, on est accompagné évidemment par l'État et la billetterie. Si, de toute façon, on baisse le prix des places, il faut augmenter les subventions de l'État. Mais il y a dans toutes ces structures, que ce soit l'Opéra de Paris, que ce soit le théâtre de Chaillot, que ce soit le théâtre national de Strasbourg, il y a des politiques de baisse des prix des places pour trouver de nouveaux publics, en particulier chez les jeunes. Toutes nos scènes nationales, tous nos théâtres le font.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi simplifier les mesures mises en place là, depuis la crise sanitaire? Certains concerts demandent le pass sanitaire ou pas. Certains lieux demandent de garder le masque ou pas. D'autres non. Non, le pass Est-ce qu'il ne faudrait pas uniformiser? Le pass sanitaire est obligatoire. Oui, pour on le présente dans et on peut, salles, enlever, on peut enlever oui, son masque après. Voilà, il faut pas transiger là-dessus. On voit bien d'ailleurs à travers l'étude dont Patrick Cohen a fait une présentation exhaustive, on voit bien que la crainte d'être contaminé est vraiment un facteur de retrait. Oui, mais donc, le pass sanitaire, ça existe aussi. Hein. C'est une vingtaine de pourcents de motivation voilà. Non, dans le sondage. Qui, hein. Ce qui l'emporte, c'est véritablement un élément de sécurisation. Oui. Avec le pass sanitaire. Et d'abord, vraiment, certains responsables de salles avaient le sentiment que ce serait difficile, compliqué, qu'il y aurait des files d'attente. Ça se passe très bien. Ça a fait un coup en juillet quand même. Oui, mais au début. En juillet, août. Au début, sur la mise en place. Mais si vous sortez franchement dans les salles de spectacle, non. Depuis le début de la semaine, une affaire agite le monde du spectacle, Roselyne Bachelot. Mardi, l'acteur Harry Habitant a été mis en examen pour viol à la suite d'une plainte d'une jeune femme de 23 ans avec laquelle il entretenait une liaison épisodique. Cette mise en examen a été assortie d'une mesure de contrôle judiciaire. Ça ne préjuge en rien de la culpabilité d'Harry Habitant qui bénéficie de la présomption d'innocence. Mais à partir du 18 décembre prochain, il doit débuter les représentations de son one-man show dont la tournée doit durer jusqu'en 2023. Doit-il suspendre la présentation de ce spectacle en attendant que la justice se soit prononcée ou au contraire, la présomption d'innocence doit-elle lui permettre de présenter son spectacle s'il le souhaite? Moi, je n'ai pas de conseil à donner à Harry Habitant dans ces affaires. Le premier principe que je me fixe, c'est le respect de la parole des victimes. Elle doit être respectée et il convient que personne ne la mette en doute a priori. Premier principe. Deuxième principe, vous l'avez rappelé, le respect de la présomption d'innocence. Il y a une enquête qui est en cours, judiciaire. Elle se déroule, je n'ai pas à la commenter, je n'ai pas à avoir des idées a priori. Le respect des personnes dans ce domaine est absolument irréfragable et je ne commenterai pas plus avant cette affaire. Mais il n'empêche, quand on voit des manifestations qui ont lieu à chaque concert où participe Bertrand Cantat, on l'a vu récemment avec Aurel San, dont un des titres était contesté, avec des manifestations très importantes qui pouvaient troubler l'ordre public. Est-ce que vous, la ministre de la Culture... C'est aux organisateurs et aux artistes de prendre la mesure de cela et de décider, en fonction du contexte, tous les personnels, tous les artistes, tous les organisateurs l'ont toujours fait dans toutes les occasions. Respecter la parole des victimes, c'est un principe aussi que vous appliquez au mouvement MeToo Théâtre, exactement. Roselyne Bachelot. On ne peut pas mettre en doute a priori la parole des victimes. Ce respect, je le répète, il est absolument irréfragable. MeToo Théâtre a pointé un certain nombre de choses, ce qu'on dénonce comme une culture du viol dans certains milieux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai fait recevoir au ministère les personnes qui ont signé cet appel. Il y a beaucoup des propositions qui sont dites par MeToo Théâtre, qui sont déjà en œuvre, avec de l'information. Il faut rappeler l'information sur la cellule allosexisme, la plateforme allosexisme, allodiscrime, avec le numéro de téléphone que j'aimerais bien qu'on donne, 0810 27 46. Il y a une cellule d'écoute financée par le ministère de la Culture sur la cellule d'écoute de audience 01 87 20 30 90 pour écouter les paroles des victimes, des référents dans les structures de théâtre, de la formation des personnels. Là vraiment je suis extrêmement mobilisée sur cette affaire, comme je l'ai été dans le cinéma, dans le centre à la musique, et vraiment ce que je veux mettre en place avant la fin de l'année, c'est une conditionnalité des aides données au secteur quand ils sont subventionnés, conditionnalité des aides au fait de mettre en tête de mobilisation une véritable attention à ces questions de respect des personnes. Est-ce que je peux relever une contradiction entre les deux principes que vous avez invoqués, le respect de la présomption d'innocence et la qualification de victime que vous donnez
à des personnes qui ne sont pas victimes tant que le jugement n'a pas été prononcé. Ce sont des plaignants. Oui, ce sont des... Vous avez raison. Donc le bon terme que vous... C'est le respect des plaignantes. Voilà. Et le respect de la présomption d'innocence. Vous êtes ministre de la Culture, un ministère qui pourrait disparaître si jamais, en avril prochain, Éric Zemmour était élu. Au ministère de la Culture, vous avez des gens qui ne jurent que par l'art contemporain, qui ne vont que voir à New York les nouvelles modes pour pouvoir les ramener en France, alors que initialement, l'idée de Malraux, c'était justement de protéger la culture française contre le rouleau compresseur américain. En fait, il faudrait peut-être, sans doute, supprimer le ministère de la Culture et rétablir une espèce de secrétaire d'État au patrimoine. Il faut que toute la politique culturelle de la France soit recentrée autour de cette éducation du beau, de cette éducation à l'histoire du beau, c'est-à-dire à la transmission de la beauté française, classique, européenne, chrétienne. C'est ça, avec ça qu'il faut éduquer les petits Français pour refaire des Français. La culture, c'est la transmission de la beauté classique européenne et chrétienne, Roselyne Bachelot. La culture, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui s'enrichit. Bien sûr, il faut protéger notre patrimoine. Et les crédits que j'ai dévolus au patrimoine sont extrêmement importants. Mais c'est aussi une culture vivante, c'est une culture de création. On lit Molière, mais on lit aussi on crée aussi sur des artistes vivants. On ne va pas arrêter la vie culturelle, on ne va pas arrêter la création. Qu'est-ce que c'est la culture? C'est évidemment une consommation de biens, mais c'est de biens culturels, mais c'est aussi une création de culture. Enfin, ce que dit Éric Zemmour est absolument absurde. Et alors, si on supprime le ministère de la Culture, mais c'est justement là qu'on livrera le monde culturel et les biens culturels, on les livrera aux Américains. Le ministère de la Culture, qu'est-ce que je fais? Je protège la création française. C'est bien cela ma mission. Je mets des moyens qui sont inédits sur cette création. Je protège, en mettant des lois en action, je protège la propriété intellectuelle. Il n'y a rien de plus important que de protéger la propriété intellectuelle, la création. Vous savez, les industries culturelles et créatives, c'est 92 milliards d'euros par an. 92 milliards, et ça emploie 640 000 personnes. C'est plus que l'industrie automobile, plus que l'aéronautique. Mais enfin, ce que dit Éric Zemmour est totalement bouleversant. C'est inintelligent. Roselyne Bachelot, il a dit autre chose, Éric Zemmour, qu'avait déjà dit Marine Le Pen, il souhaiterait privatiser l'audiovisuel public. Vous avez déjà répondu en affirmant que l'audiovisuel public est un joyau qu'il faut protéger. Comment on le protège, justement? Pour être sûr qu'il ne soit jamais attaqué. On le protège en le finançant. Il y a 3 milliards 700 millions. Bien sûr, on a demandé... Seul budget en baisse. Il y a une trajectoire que nous avons fixée au départ, et nous voyons que l'opération d'amélioration et de meilleurs moyens marche tout à fait. Le secteur public de l'audiovisuel n'est absolument pas en crise et n'est absolument pas menacé. Il n'est pas menacé, mais il est moins financé. Non, il est financé raisonnablement et confortablement. C'est la seule ligne de votre budget France Télévisions et Radio France qui est en baisse. Ça n'empêche pas Patrick Cohen de mieux gérer les fonds publics et de mieux gérer l'argent. Vous êtes prête là pour la campagne présidentielle qui s'annonce? Je suis prête, oui. Je ne sais pas si on me demandera quelque chose. Ah bon? Je suis prête. Vous ne savez pas si on vous demandera quelque chose, mais au cas où, vous serez disponible. Voilà, oui. Hein, c'est une bonne idée. Le plus tôt sera le mieux ou pas, là? Pour savoir si vous serez disponible. Vous me demandez si je suis candidate à la présidence de la République. Non, si Emmanuel Macron va se déclarer bientôt. Je suis prête. Je ne sais pas. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous répondre. Mais je tentais ma petite question. Vous restez avec nous le temps de la story de Mohamed Bouabsi. Salut Mohamed, je voyais que ça vous intéressait dès le début de l'émission. C'est la fameuse histoire du jour qui se déroule sur la Nationale 11.
ça va vous intéresser. Nous sommes le 6 août dernier sur la Nationale 11 à Nueil-et-Daunis, à 20 km de La Rochelle. Il est 3h du matin. À cette heure-ci, les pompiers reçoivent d'habitude les appels des directeurs de boîtes de nuit pour récupérer des clients éméchés ou les appels de la police après un accident de la route. Là, c'est un appel d'urgence totalement différent. Un homme appelle le 18. Sa femme est en train d'accoucher au bord de la route. Nous avons sélectionné les meilleurs moments de ce coup de téléphone. Le futur papa est pris de court. D'accord, ok. Bon, alors. Oui, il est complètement sorti là. Oui, il est sorti, il est avec moi. Je suis clair là. Pas encore. Il y a des choses qui bloquent pour savoir. D'accord, ok. Fixez votre petit doigt un peu dans sa bouche là, d'accord? Oui. Voilà, vous essayez un peu d'aspirer ce qu'il peut y avoir un peu dans ses narines, d'accord? Voilà, c'est ça, c'est super, j'entends une fleur. C'est super, ok. Ok, super monsieur. Félicitations. C'est quand même c'est les plus beaux pleurs du monde. Vous aurez remarqué le stress logique et palpable du papa qui suit les conseils à la lettre de l'opérateur. Le pompier a tout de suite remarqué que le bébé ne pleurait pas et qu'il ne donnait pas de signe de vie. L'enfant a les muqueuses respiratoires obstruées. Nous avons joint cet après-midi ce héros, c'est le capitaine Michael Rousseau. Sur le coup, c'est une intervention comme une autre. Et après, on se sent forcément l'issue, il y a une bonne issue, donc forcément c'est très agréable. C'est surtout petite phase de décompression quand on raccroche, quoi. Je vous assurer que quand je l'ai entendu pleurer, voilà, j'ai eu l'impression d'avoir fait l'intervention en apnée. J'ai pu souffler. Cette séquence démontre aussi le professionnalisme et le sang-froid des opérateurs du 18 qui sont capables de réagir en quelques secondes. Alors, la question que l'on se pose tous, est-ce que vous avez eu peur, caporal Michael Rousseau ? Pas eu le temps d'avoir peur. En fait, il y a plein de choses qui se bousculaient dans mon esprit. Voilà. Alors après, effectivement, on n'entend que ma voix au téléphone, mais autour de moi, il y a du monde. Donc je sais qu'au pire, même si je me trouve démuni, j'ai toujours un ancien dans le reste de la salle qui peut me venir en aide. Mais peur, non, c'est tout de suite des choses de... Bon, alors là, ok, donc il va se passer ça. Qu'est-ce que je vais lui faire faire, qu'est-ce qu'on fait en priorité. Voilà, tout de suite, ça s'enchaîne dans ma tête. Pas trop le temps d'avoir peur. Les parents de l'enfant ont salué l'engagement et la réactivité du pompier en soulignant la valeur des opérateurs tout aussi importants que les secours qui arrivent sur place. D'ailleurs, les pompiers ont attendu que le bébé aille bien et demandé l'accord de la famille pour médiatiser cette opération difficile. Plusieurs centaines de personnes ont félicité les pompiers sur les réseaux sociaux, comme les parents qui ont envoyé une lettre de remerciement à la caserne. Une rencontre est prévue dans les prochaines semaines avec le caporal. Juste dans le département de la Charente-Maritime, une soixantaine d'opérateurs réceptionnent 170 000 appels par an. Par leur capacité à donner des consignes au téléphone pour des premiers secours, eux aussi sauvent des vies chaque jour. Rosine Bachelot, c'est plus une question pour l'ancienne ministre de la Santé. On imagine que ça doit vous faire quelque chose et que ces opérateurs, on n'en parle pas assez. Et ils sauvent des vies au quotidien. Bravo les rouges, hein, sur les systèmes d'urgence, sur les systèmes d'appel comme ça. Il y a les rouges et les blancs. Et ils s'entendent de mieux en mieux. En tout cas, bravo les pompiers, c'est magnifique. Oui, c'est une très belle histoire. Et c'est un pompier volontaire, ce caporal Michael Rousseau. Il a un sang-froid. Oui. Alors, il est droit, là, il n'y a pas de problème, on se sent tout à fait en sécurité. Donc, si jamais il nous arrive un truc, vaut mieux que ce si soit à 20 km de La Rochelle. Ça va être un peu tard, là, je pense que... J'étais sûre que vous reprendriez la balle au bon. Mais on ne sait jamais. En tout cas, il vaut mieux être aux alentours de La Rochelle, ouais, sur un rayon de 20 km. Il y a le professeur Antinori, là. Ben voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Merci Madame la ministre de la Culture, d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Émilie, la première dame, s'engage. C'est rare qu'elle prenne la parole en public. Brigitte Macron ouvrira ce soir la conférence de l'UNESCO contre le cyberharcèlement et la violence scolaire avec une vidéo. Elle s'était prêtée au même exercice il y a exactement un an pour défendre la même cause. Je ne me supporte plus. Je sens mon corps et mon esprit se recroqueviller sur eux-mêmes. Et la seule chose dont j'ai envie, c'est de partir, de m'enfuir loin, dans un endroit où Internet n'existe pas, un endroit où je serai sereine. Un endroit où je pourrais m'évader, et ce, pour toujours. Vous ne lirez probablement jamais cette lettre. Mais je vous en prie, aidez-moi. Je suis perdue, complètement désemparée.
Évidemment, la première dame ne parlait pas en son nom. Elle lisait la lettre d'une adolescente de 16 ans victime de harcèlement. Un immense problème, selon Brigitte Macron, qui ne fait que croître et vient en grande partie des réseaux sociaux. C'est aussi ce que dénoncent les parents de Dina, 14 ans, adolescente qui vivait dans le Haut-Rhin et qui s'est donné la mort dans la nuit du 4 au 5 octobre. Ma fille a été harcelée pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, on a fait des pieds et des mains pour que ça s'arrête. Mais elles l'ont poursuivi jusqu'à la maison, jusqu'aux réseaux sociaux. Plusieurs fois, je suis allée voir la CPE, plusieurs fois, j'ai appelé la vie scolaire, pratiquement tous les jours. Mais ils n'ont jamais rien pris au sérieux, en fait, rien. Ma fille a fait une première tentative, ils ne l'ont pas pris au sérieux non plus. Alors une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités, les circonstances de ce drame. Mais une chose est sûre, le harcèlement à l'école, sur les réseaux sociaux, peut toucher tout le monde. En France, 1 enfant sur 10 est harcelé au moins une fois pendant sa scolarité. Chiffre qui a plus que doublé entre 2015 et 2018. Et les politiques ont du mal à y faire face. Il y a eu l'interdiction du téléphone portable à l'école, l'ouverture d'un numéro d'écoute, le 30-20. L'écoute, c'est encore la seule arme brandie par les parents qu'Iban Raïs et Camille Schmitt ont pu interroger aujourd'hui. Les enfants à jeune âge, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas avec qui traîner, du coup ça fait peur. Est-ce que vous avez déjà été confronté au harcèlement scolaire en tant que parent ? Oui. Comment on en parle avec son enfant ? On en discute au préalable et puis on surveille un petit peu le comportement. Et on leur a toujours dit s'ils sentaient qu'il y avait la moindre pression, la moindre difficulté, ils nous en fassent part pour que nous, en tant que parents, on puisse se retourner et aller voir la direction d'un collège ou d'un lycée. C'est une nécessité quand même d'en parler, que les chefs d'établissement mobilisent les parents. C'est vrai qu'à la réunion comme ça, des parents d'élèves, on ne parle jamais de ça. Oui. Pour la première dame, face au pouvoir des réseaux sociaux, l'école, les parents ne peuvent pas tout voir ou tout entendre. C'est aussi donc aux géants d'Internet, les responsables de Facebook, Instagram, Google, YouTube et TikTok, d'aller plus loin. C'est un animateur qui s'engage contre le harcèlement scolaire, Christophe Beaugrand, et ce soir notre invité. Bonsoir. Salut Christophe. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. On est content de vous accueillir à l'occasion de cette journée internationale contre la violence et le harcèlement au milieu scolaire. Vous mobilisez, vous deviez faire une conférence, d'ailleurs vous faites régulièrement des conférences devant des jeunes collégiens, lycéens. Ça m'est déjà arrivé effectivement, et là il devait y avoir un concert ce soir contre le harcèlement scolaire pour une association qui n'a finalement pas pu se tenir à Lyon, une association qui s'appelle Hugo, du nom d'un jeune homme qui a été harcelé, qui est tout jeune, qui a une vingtaine d'années, Hugo Martinez, que je salue aujourd'hui et qui se bat vraiment et qui se bat notamment avec le ministère de la Jeunesse. Il travaille avec Sarah El Haïry pour faire bouger les choses, faire avancer les choses et justement pour lutter contre une certaine, on va dire, passivité, notamment dans les établissements scolaires. Pas dans tous, heureusement, ça évolue, ça avance, mais il y a encore beaucoup de boulot. Oui. Vous avez été victime de harcèlement, vous l'évoquez, c'est un chapitre de votre livre « Fils à papa ». À l'école, vous étiez un bouc émissaire, moqué parce que quoi ? Un peu rond. Moqué parce que j'étais un peu bouboule et que dès qu'on a, on va dire, une petite différence, entre guillemets, c'est forcément une porte d'entrée pour les moqueries. Et puis très rapidement, j'ai senti cette différence du fait d'être homosexuel. Quand j'étais gamin, les autres l'ont peut-être vu même avant moi. Peut-être j'avais peut-être un peu plus de sensibilité, ou j'étais peut-être parfois un peu efféminé, ou je ne sais pas, je n'ai pas vraiment le souvenir de ça, mais en tout cas, je me faisais traiter de pédé, de sale gros, etc. Et c'est le quotidien de beaucoup de gamins aujourd'hui. Il faut savoir que l'homosexualité, par exemple, c'est la première raison de harcèlement scolaire. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec la petite Dina dont on parlait, qui se faisait insulter avec des insultes racistes. Et le point de départ, c'est quand elle a dit son groupe de copines qu'elle était attirée par des filles. Et là, elle est devenue le bouc émissaire, c'est devenu la sale lesbienne. Et moi, j'ai une pensée, depuis qu'on a entendu parler de cette affaire, pour cette maman qui, un soir, va dans la chambre de sa fille et elle s'est pendue. Enfin, c'est quelque chose qui est... Moi, qui suis devenu papa, ça va faire 2 ans. Je me dis, comment un parent peut vivre quelque chose d'aussi violent? Comment un enfant, elle avait 14 ans, elle l'avait déjà fait à 12 ans, une tentative de suicide. Comment, à un âge aussitôt, parfois c'est à 10 ans, comment on peut avoir envie de mourir à un âge où c'est la vie qui est censée prendre le dessus? À l'époque, petit, là, vous êtes parfois sous un torrent d'insultes parce que vous portez des petites bottines en daim. À un moment donné, il y a eu les bottes que ma maman m'avait achetées, et c'était des bottes de fille. En tout cas, ça a été identifié comme des bottes de fille. Torrent d'insultes. Ça a été très violent. Face
à la meute, ouais, et une certaine indifférence des adultes qui vous entourent à l'école, oui, qui bah, minimise un peu le harcèlement vécu par des enfants. Bien, qui regardent dans la cour de récré ces gamins qui se moquent, etc. C'est pas grave, c'est des trucs de gosses. Sauf que la chance, entre guillemets, que j'avais à l'époque, moi j'ai 44 ans, donc les réseaux sociaux ça n'existait pas, Internet ouais, ça n'existait pas, donc quand je rentrais à la maison, je pouvais souffler, ça allait. Sauf que là aujourd'hui, les harceleurs, ils vous poursuivent jusque dans la chambre, jusque dans le lit, 24 heures sur 24, le harcèlement il peut continuer. Mmh. Et c'est ça le pire en fait. Alors vous vous dites que quand vous rentriez chez vous, en tout cas, ça s'arrêtait. Il y avait ouais, les réseaux sociaux qui n'existaient pas, le harcèlement en ligne vous ne l'avez donc pas connu. Vous dites que ce sont des machines à alimenter la haine à chaque nouveau drame. Donc le cas de Dina, il y a eu aussi Enzo. À chaque fois, vous vous mobilisez sur les réseaux sociaux. Vous faites j'ai eu la maman d'Enzo il n'y a pas longtemps qui m'a envoyé un petit message justement. Enzo, je rappelle juste, ouais, 13 ans, 3 tentatives de suicide. Et qui est un jeune déscolarisé qui s'est identifié comme homosexuel. Mmh. Et sa mère m'a envoyé un message il n'y a pas très longtemps en me disant que le fait de prendre la parole sur ces questions de visibilité homosexuelle, justement, en me disant vous n'imaginez pas à quel point c'est important ce que vous faites. Et je reçois beaucoup de messages mmh, par rapport à ça parce que rendre finalement visible et j'allais dire normal, même si je n'aime pas ce terme, mais normal nos relations, nos ouais, familles, c'est hyper important, vraiment. C'est ce que vous faites dans Fils à Papa, vous racontez votre paternité avec votre mari. Oui. Il n'empêche que les messages homophobes, ils sont toujours présents. Vous êtes, oui, vous êtes grand, vous êtes mûr, vous avez de l'expérience, vous avez de la notoriété, vous êtes populaire. Il n'empêche que lorsqu'on continue à vous hurler dessus, à vous aboyer dessus, lorsque vous vous félicitez de l'anniversaire du mariage pour tous, ou lorsque vous allez sur un plateau de télé pour raconter votre histoire. Là, je vais en reprendre dans la figure, mais c'est pas grave. Mais ça blesse quand même. Oui, ça blesse, mais j'ai aujourd'hui une maturité, j'ai ma carrière, j'ai ouais, ma vie, je suis heureux, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie aujourd'hui. Mais on vous dit régulièrement, donc, va crever, ça le pédé. Ça arrive, oui, oui, ça encore arrive. Maintenant. Ça arrive. Le fait est que les messages que je reçois, notamment depuis la sortie de mon livre, sont à 98% positifs. Mmh. Il y a 2% de messages très agressifs, de messages très violents. Mais il ne faut pas se tromper, hein, ce n'est pas des gamins, ce n'est pas des sales gosses hein, qui écrivent ça, c'est des adultes. C'est ça le plus dramatique et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'au-delà des messages de gamins publiés, il y a des responsables politiques, il y a des responsables d'associations qui lancent les meutes sur les réseaux sociaux. Des politiques ont lancé une meute contre vous. Il m'est arrivé de recevoir des raids numériques dans la foulée de tweets écrits par la Manif pour tous, qui me traitent d'esclavagiste, parce que je raconte mon histoire où on a eu notre petit garçon grâce à une mère porteuse. Et du coup, je me fais traiter d'esclavagiste. J'ai un ancien sénateur qui m'a envoyé un message il y a 2 jours en disant « Vous devriez finir en prison, vous avez commis des délits, monsieur Pozzo di Borgio ». Je lui ai répondu « Pour un ancien sénateur, vous connaissez quand même très très mal le droit parce que je n'ai commis absolument aucun délit en fondant ma famille. Mais derrière mais lui... ça existe, ça. Mmh. Voilà. Et à un moment donné, quand Éric Zemmour, par exemple, on va reparler de lui, je suis désolé, mais quand Éric Zemmour critique la circulaire de M. Blanquer pour parler du harcèlement homophobe et transphobe à l'école, pour sensibiliser les jeunes, et qui dit « c'est dégueulasse, c'est le lobby LGBT qui fait de la propagande », c'est non seulement... Et qui traite de Mengele, Jean-Michel Blanquer, qui parle des expérimentations dans les camps nazis. Voilà, on parle de ça, alors qu'on parle de la façon d'accueillir la transidentité chez les jeunes. C'est non seulement une méconnaissance totale de ces questions, c'est totalement irresponsable pour quelqu'un qui a la prétention d'avoir des responsabilités politiques un jour, et je dis même que c'est criminel. Donc oui, les adultes doivent aussi prendre leurs responsabilités, parce qu'il n'y a pas que des racailles, entre guillemets, il y a aussi des harceleurs en col blanc, des harceleurs avec des jolis costumes, des harceleurs qui peuvent parler à l'Assemblée nationale. Voilà. Et contre lesquels il faut porter plainte ? Je ne sais pas s'il faut porter plainte. Vous l'avez fait déjà. Il faut porter plainte quand il y a lieu de porter plainte. Parfois, les messages sont suffisamment, on va dire, tendancieux pour que ça puisse passer sans que ce soit forcément une plainte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réagir, il faut prendre la parole et il ne faut pas accepter, en tout cas. Voilà. Et il faut répondre. Vous le dites, vous êtes adulte et vous prenez la parole pour les autres. Ouais. Pour en revenir aux enfants, Brigitte Macron propose, alors c'est déjà normalement interdit au moins 13 ans les réseaux sociaux, on sait qu'ils y vont quand même, justement. Ouais. Elle propose de renforcer cette interdiction d'y accéder. Est-ce que ça, c'est une solution ? Ça me semble un vœu pieux. Je pense que c'est, dans l'absolu, ça peut être une bonne idée, mais les gamins qui voudront aller sur les réseaux continueront à trouver un moyen d'y aller via le grand frère, via des potes, etc. Donc je pense que ce n'est pas vraiment le fond du problème. En revanche, l'anonymat sur les réseaux sociaux, ça, c'est une vraie question, pour le coup. Parce que parfois, on ne retrouve
pas les... C'est très compliqué de retrouver les personnes qui vous envoient des raids numériques. Parfois, ils utilisent des adresses IP, donc ils sont localisés à l'étranger, et là, le droit français ne peut rien faire. Parfois, ce sont des gens qui sont vraiment à l'étranger. Parfois, non. C'est très compliqué. Hein. Ça demande beaucoup de boulot. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt utiliser les réseaux sociaux pour faire des campagnes de sensibilisation, justement ? Je pense que les campagnes de sensibilisation, elles doivent avoir lieu sur les réseaux sociaux, dans les médias comme vous le faites ce soir avec cette émission, à l'école évidemment. Ces campagnes pour la tolérance, de l'acceptation de toutes les différences, quelles qu'elles soient, bien sûr qu'il faut le faire à l'école. Ça me semble tellement évident, je ne comprends même pas que qui que ce soit puisse être contre. Et qu'il y a des gens qui disent que c'est de la propagande pour parler de la question de l'homosexualité, oui. Mais il n'y a évidemment pas que ça. Il y a plein d'autres il y a la télé biais aussi. Du harcèlement. Il y a la télé, lundi sur TF1, lundi soir, il y avait une fiction qui intitulée « Il et elle ». Oui, lundi dernier, oui. Vous avez tweeté sur cette fiction. Et je m'en suis pris plein la gueule. Ah ouais. Oui, forcément, j'ai l'habitude, mais c'est pas grave. Ça parce que c'était sur la question de la transidentité, voilà. Justement. Ouais. Et pourtant, ça fait œuvre aussi de sensibilisation auprès d'un jeune public, ce genre de fiction. C'est très important, oui, parce que ça racontait le cas d'une jeune fille qui était née dans le corps d'un garçon. Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça insupportable, le fait que même je prononce cette phrase, parce que les gens disent, non, il y a des garçons, il y a des filles, entre les deux, ça n'existe pas. Sauf que, là encore, c'est nier la réalité. Alors, on peut faire comme si les différences n'existaient pas et forcer les gens à être comme on voudrait qu'ils soient. On peut aussi se dire que la société d'aujourd'hui, que l'honneur de l'éducation nationale, que l'honneur des politiques, c'est d'aider chaque enfant à se sentir bien dans ses baskets, malgré ou grâce même à ces différences. Parce que je peux dire que les différences, c'est aussi une grande richesse. Et sur le même sujet, il y a un film au cinéma qui sort la semaine prochaine et qui est absolument merveilleux sur le sujet. A Good Man. Marie-Cassie, mention char sur un trans qui porte... L'enfance pour le couple avec sa compagne. Exactement. Et ce qu'il faut revoir aussi, je crois que c'est toujours sur Netflix, c'est l'extraordinaire documentaire qui s'appelle Petite fille, qui avait été diffusé sur Arte, qui peut permettre, je pense, à beaucoup de gens de comprendre. Beaucoup de gens, parfois, il y a de la méconnaissance sur ces questions-là, et je peux comprendre, même sur la GPA, par exemple, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que c'est important d'expliquer, de faire de la pédagogie. Je peux comprendre qu'on ait des a priori, et c'est normal, et c'est bien de poser des questions. Il faut simplement refuser d'entendre les réponses. Exactement, ne pas avoir les réponses préconçues à l'avance dans la tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut parler quand on est gamin et quand on est victime. Moi, quand j'étais petit, je ne voulais pas inquiéter mes parents. Je ne disais rien. Mes parents, donc je pleurais dans ma chambre, la tête sous la couette, et je faisais toujours le clown auprès de ma maman pour ne pas qu'elle s'inquiète. Voilà, et ça, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. C'est facile à dire, parce qu'on ne veut jamais que nos parents s'inquiètent quand on est petit. Et il ne faut pas hésiter à appeler. Hein. C'est le 30-20. Qui est le numéro, et c'est pour les profs, les élèves, les parents, etc. Et le 30-18 pour le harcèlement, spécifiquement harcèlement numérique. Ne pas hésiter, il y a des gens qui sont spécifiquement formés pour vous répondre. L'expert Christophe Beaugrand était ce soir l'invité de C'est à vos fils, à papa. C'est l'histoire d'un couple qui voulait un enfant. Exactement, et je raconte aussi mon enfance au début du livre. Merci beaucoup, vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Avec plaisir. Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. Mathieu. En proche banlieue parisienne, la mort d'une toxicomane ravive la colère des habitants. Une femme d'une vingtaine d'années est morte la semaine dernière. L'overdose a été confirmée hier et dans la soirée, des habitants d'Aubervilliers, de Pantin, c'est limitrophe de Paris, il faut le savoir, des membres du collectif Anti-Crack 93 ont redit leur colère, leurs inquiétudes. Je ne demande pas à ce que le problème soit déplacé une énième fois, ce qui est la seule réponse du gouvernement qui a été apportée depuis toutes ces années. On demande que les solutions qui soient prises cette fois-ci soient pérennes. Est-ce que c'est des salles de shoot? Est-ce que c'est autre chose? Le terrain commence à être atteint d'une insalubrité où même les rats n'y vont plus. Les herbes hautes ont laissé place à une boue collante et épaisse de 20 cm dans laquelle ils s'enfoncent. Et je vous laisse imaginer les maladies de peau qu'ils sont en train de générer aussi. Notre quotidien, c'est de marcher sorti du métro et sans savoir ce qui peut arriver juste après. Alors vous avez pu lire leur banderole « Soignez-les, protégez-nous, mais soignez-les ». Nous avons voulu aller plus loin sur cette question du soin avec une des réponses qui fait débat, celle des salles de shoot, les salles de consommation à moindre risque, comme il faut dire. Voilà 5 ans que celle de Strasbourg a ouvert ses portes. Louis Amar et Audrey Payas se sont rendus sur place et c'est très rare. Vous allez entendre le témoignage d'une toxicomane, une usagère de cette salle dont nous préservons bien sûr l'anonymat. L'environnement est plutôt accueillant, on est... C'est une espèce de bulle au milieu de la ville aussi, oui. Ça vous met un peu à l'écart. Oui, oui. Et puis ils ont essayé de créer un petit jardin aussi. On voit déjà que c'est accueillant, quoi. Moi, on n'est pas
dehors avec les bactéries. On est dans un endroit sain, propre, et du matériel propre et avec deux personnes qui peuvent nous aider si on a des difficultés. Voilà pour vous présenter cette situation. Cette femme qui consomme par injection un dérivé de morphine trois fois plus puissant, le Skenan. Nous entrons à présent dans l'établissement. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux consommer ? Alors, ce sera Skenan. Et comment tu en veux shoot. Le consommer ? En injection. En injection, voilà. Ok. Alors ensuite, cette toxicomane que nos équipes ont suivie entre, à proprement parler, dans la salle de shoot. Elle se lave les mains, on lui remet du matériel propre, tout le nécessaire. Seringue, coupelle, élastique pour se faire un garrot, lingette désinfectante. On surveille ce qu'elle consomme, la nature comme la quantité des produits. Et elle va s'installer pour consommer. Elle prépare tout sur place, accompagnée, si nécessaire, par une infirmière. Je sais qu'elle a juste... Elle est déjà très très endurée ta veine là. C'est pas pour rien que je suis venue ici, hein. Je crois que mon corps me le dit, hein. De toute façon qu'il faut que j'arrête un petit peu là. Quel est votre rôle dans cette salle aux côtés des usagers ? C'est de faire de la réduction des risques. Et puis pour certains usagers, ça va être de les aider à trouver des veines quand ça devient très compliqué lors des injections. C'est également de veiller à ce qu'il y ait un minimum d'asepsie, bien désinfecté et faire en sorte que ça se passe dans des conditions apaisante pour eux et puis leur redonner un peu confiance en eux. Des salles de shoot, il en existe d'autres. Il y a celle de Paris, celle prévue à Lille fait polémique. Le projet est au point mort pour l'instant. À Strasbourg, cela fait 5 ans qu'elle est installée, financée par la mairie, gérée par une association. 5 ans, la directrice nous dresse un bilan. Pour nous, le bilan il est très positif à plusieurs égards, notamment par rapport au public qu'on peut rencontrer. Plus de la moitié des personnes qu'on a rencontrées depuis l'ouverture, c'est des personnes qu'on ne connaissait pas du tout, qui avaient franchi encore aucune porte d'un dispositif spécialisé jusque-là. Et même, du coup, on a été surpris par l'ampleur que ça a pu prendre. Et du coup, on a dû développer pas mal de notre activité autour des accompagnements qu'on peut faire, des dispositifs de santé type vers l'hôpital, des services psychiatriques, et vers les dispositifs d'accès aux droits aussi. Pour en revenir aux problématiques initiales, celle du voisinage, des riverains, il faut savoir que on a 50 à 80 passages par jour dans cette salle de shoot. Un millier de toxicomanes différents depuis le début, depuis 5 ans. Louis Amar et Audrey Payas ont aussi demandé à la directrice si l'établissement avait été accepté et s'il n'attire pas les trafics et les trafiquants. Quand on leur explique que du coup, si jamais il y a du deal sur le site, ça peut être problématique pour eux, ça peut remettre en question l'existence de ce dispositif, que du coup, ça peut aussi justifier que peut-être la police doive intervenir à un moment donné, eux-mêmes, ils font en sorte que ça ne se produise pas. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en fait, les salles de consommation, c'est une réponse à une situation existante. C'est-à-dire, c'est pour répondre à des lieux où il y a des consommations, comme Paris, où du coup, il y a des scènes ouvertes et où du coup, une salle est implantée, du coup, qui permet à ces personnes de s'abriter. Ce n'est pas une problématique supplémentaire. À Paris, plusieurs collectifs de riverains viennent tout juste de demander à Emmanuel Macron l'abandon de projets de salles du genre que la mairie de Paris veut implanter avec l'assentiment de Matignon. Reportage Paul Amar et Louis Amar et Audrey Payas. On change radicalement d'ambiance, Mathieu, pour parler de l'euphorie à la Bourse de Paris. Oui, c'est à se demander jusqu'où le CAC 40 va monter. Je sais que vous tremblez, que vous n'endormez plus. La Bourse va bien, très bien même. La clôture du CAC 40 à 6987 points. Voilà 3 jours que l'indice parisien bat record sur record. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, la Bourse de Paris a gagné 25% depuis le début de l'année. On apprend que la Bourse de Paris vient de battre en séance son record absolu. Record qui datait de 21 ans, 6927 points. Ce sont des chiffres absolument phénoménaux. Record du CAC 40 donc, et record de la plupart des autres grands indices bien sûr depuis bien longtemps. Du CAC aussi, dividendes réinvestis depuis bien longtemps. En mars 2020, on avait perdu énormément de points et là, en l'espace de 20 mois, on a gagné 3000 points. Bonsoir Marc Toiti. Bonsoir. Économiste, maître de conférences à Sciences Po, président du cabinet AC Défi et auteur de Reset. Quel nouveau monde pour demain chez Bookelis. Mm-hmm. C'est un nouveau monde où la bourse, ça marche. Oui, c'est vrai. Habituellement, on appelle pour quand il y a des cracks. Là, on appelle quand il y a des qu'est-ce bulles. Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, il y a une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. C'est que la bourse, normalement, reflète une réalité économique. Donc, c'est vrai qu'après la pandémie, on a eu une récession dramatique, on s'est fait très peur. Et puis là, on a, grâce à des aides énormes, on va y revenir, on a une croissance
qui est en train de revenir au niveau mondial. Donc ce qui permet effectivement aux entreprises de mieux se comporter, d'avoir des bénéfices, et donc à partir de là, la bourse qui anticipe ces bénéfices croît. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors voilà, par contre, ça c'est le bon élément, entre guillemets, donc l'élément concret. Par contre, il y a un autre élément un petit peu plus dangereux, qui est qu'en fait, les banques centrales à travers le monde, justement après la pandémie, elles se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Le fameux quoi qu'il en coûte, on va lâcher, effectivement, et donc on va distribuer des liquidités, de l'argent gratuit, qu'on pourrait appeler. Et effectivement, ce problème, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés. Normalement, ils auraient dû s'arrêter quand la pandémie se calmait. Et là, ils continuent, ils continuent. Donc aujourd'hui, cet argent gratuit, finalement, permet aux investisseurs d'acheter de la bourse, et donc ça fait flamber. Donc c'est ça qui est dangereux aujourd'hui, c'est que, c'est encore plus le cas aux États-Unis, mais on a une déconnexion entre la flambée boursière et la réalité économique. Ça termine mal généralement. Et ben voilà, c'est l'histoire. Regardez, alors justement, quand on regarde, quand on regarde l'historique des 20 dernières années, on comprend le record. Hein, du coup, c'était en 2000 le précédent, c'était la bulle Internet. À chaque fois que ça monte comme ça, regardez, derrière ça dégringole. On est en train de vivre les prémices d'un nouveau crack là. Alors le problème, c'est qu'on avait déjà eu un petit crack effectivement, donc en 2018-2019. Après, il y a eu donc le coronavirus, c'est aussi incroyable. Le crack n'a duré que 29 jours et tout de suite ça a redémarré. Là, on le voit, ça continue. Encore une fois, le problème, c'est que les arbres ne montent pas au ciel. C'est peut-être un avantage d'ailleurs. Donc c'est une règle de science physique, si vous voulez. C'est pas que ça ne pourra pas continuer à monter éternellement. Et surtout, il faut que ça se reconnecte à la réalité. Mais c'est vrai que sur long terme, la bourse reste un très bon placement, l'un des meilleurs, parce que justement, les entreprises font effectivement des bénéfices généralement. Et d'ailleurs, dans le CAC 40, il n'y a pas ce qu'on appelle les dividendes. C'est-à-dire qu'en fait, quand un investisseur aujourd'hui il achète du CAC 40, il gagne de deux façons. D'abord sur le niveau de l'indice, donc ce qu'on appelle une plus-value, très bien, mais également lorsque l'entreprise fait des profits, elle distribue des dividendes, ce qu'on appelle des dividendes. Donc, elle a gagné un peu d'argent, elle distribue à ses actionnaires. Donc, on gagne deux fois. Et là, si on regarde la variation, qu'on appelle le CAC 40, ça augmente beaucoup plus, de plus de 100%, si vous voulez. Vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas investi assez. Rien, j'ai pas une action. Mais il fallait oser. C'est-à-dire, au plus dur de la crise en mars 2020, il fallait oser acheter à ce moment-là. Il faut vendre là, tout de suite. Vendre, j'irai pas. Alors, déjà, si on achetait à ce moment-là, on a gagné entre 80 et 90%, donc c'est sûr qu'il faut prendre ses bénéfices. Donc il ne faut pas acheter en tout cas. Alors, encore une fois, c'est vrai que, je vais être très honnête, je pense que d'ici l'année prochaine, ça va baisser de 10 à 15%, mais après ça redémarrera. Ça veut dire que quelqu'un qui investit sur le long terme, généralement, le danger, c'est les investisseurs effectivement, qui font les allers-retours. Il faut en avoir besoin. Ça, c'est très dangereux. On va terminer sur une note légère, si vous voulez bien. Alors, vous disiez les arbres ne montent pas au ciel. C'est pour la retraite. Pour la retraite, ça peut être bien. Les 7000 points aujourd'hui, lorsque le CAC était créé en 1987, il était à 1000 points. On va terminer sur un sourire. Regardez ce qu'on en connaissait à l'époque. Le CAC, c'est la paix. Et 40, ça veut dire quoi? CAC 40. Je ne sais pas. Cap 40, peut-être une direction. Cap 40, je sais pas, deux baguettes. Ça vous évoque quoi? Un cake. Un gâteau à l'orange. Oh, alors là, je crois que c'est financier. Non, c'est plus financier. Oui, c'est financier, je crois. Hein. Et c'est dans quel domaine? Ah, ben dans le domaine de la finance. Le CAC, le Centre d'Activité Culturelle. Mais encore? Ah, je sais pas. Et pourquoi 40? Eh bien, à cause des années 40. Donc ça aurait un lien avec la... Avec la résistance. On se moque un petit peu, mais c'est vrai que les Français n'ont pas une grande culture boursière. Alors, ça veut dire cotation assistée en continu. Parce qu'avant, la bourse, c'était des échanges. Personne ici n'était capable de le dire. Donc, je vous le dis. Et 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises qui sont évidemment cotées en bourse. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il faut faire de la pédagogie, justement, expliquer aux Français, parce que les Français sont ceux qui investissent le moins en bourse. Et c'est très dommage, parce que c'est là, justement, on a un bon retour sur investissement, et notamment effectivement pour la retraite. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, bon, tout le monde doit investir pour sa retraite parce qu'elle n'est pas financée. Ils n'ont pas le choix. Alors que nous, on croit qu'elle est financée, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément garanti. Et moi, j'invite justement un peu tout le monde aujourd'hui à commencer à regarder, à s'intéresser justement. Il ne faut pas acheter aujourd'hui. Si on achète, c'est quoi? Alors, on peut acheter encore une fois. En une seconde. Elle est intéressée, Elisabeth. C'est vrai non, on peut acheter aujourd'hui, si on a une vision de très long terme, c'est-à-dire sur 10, 20, 20 ans, il n'y a pas de problème. On veut des conseils gratos. J'ai bien compris. Non, mais encore une fois, le vrai enjeu, c'est qu'il va y avoir, je pense, un petit crack. Et encore une fois, ce n'est pas grave, un crack. Ça permet de se reconnecter à la réalité économique et après de redémarrer sur des bases. Enfin, on a vécu le crack de 2000, de 2008, on est toujours là. Donc, c'est tout.
voter. Oui, on a serré les fesses quand même. Marc Touati, économiste, maître de conférence à Sciences Po, auteur de Risette, quel nouveau monde pour demain. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est à vous parler à des néophytes. Ce message s'adresse à Muriel Robin. Bonjour Muriel. Clairement, je vous adore. Et ce que j'adore aussi chez vous, c'est votre capacité à prendre des risques. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je suis convaincue que vous êtes la bonne personne pour incarner le personnage que j'ai écrit. Elle est extrêmement engagée, militante, dans plein de causes différentes, le féminisme, l'immigration, l'écologie, le racisme. C'est vraiment quelqu'un qui a la justice et la vérité dans le sang. Et il y a cette jeune femme qui débarque et qui, d'un seul coup, vient mettre le doute. Donc c'est l'histoire de cette femme et de la rencontre entre ces deux femmes. L'une qui vient obtenir réparation pour le mal qu'on lui a fait il y a 25 ans, et l'autre qui va devoir faire un choix, et surtout essayer de chercher la vérité. Est-ce que son mari, oui ou non, est un agresseur ? Bonsoir Muriel Robin. Bonsoir Babette. Vous avez ouvert un jour votre ordinateur. Dans la boîte mail, il y avait ce message. Exactement. Il y avait aussi dans ma boîte aux lettres un texte d'une pièce. Et j'ai lu tout de suite. Je trouvais ça formidable, fort, fort. Et j'ai appelé Élodie immédiatement, lui disant que je trouvais ça très fort, mais que je ne voulais pas me charger de ça tous les soirs et que jouer ça au théâtre tous les soirs serait un peu... voilà. C'est devenu un film. C'est devenu un Doute, film. Qui sera diffusé demain sur Arte, qui est un film... Enfin, j'ai le mot... Alors, choisissez-le bien, votre adjectif, Babette. Hein. Parce qu'il y a eu, je vais vous dire, dans Magistral, c'est fait. Ouais. Bouleversant, c'est fait. Incroyable, enfin bon, il y a pas. Sortez des clichés un peu. Époustouflant. Vous êtes époustouflant. C'est fait, époustouflant, c'est et c'est fait, c'est pris. Non, pas remarquable. Mettez... Un chef-d'œuvre. Ça n'a pas été fait. Je prends le chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre mis en scène par Christophe Charrier. Et François Hans. Réalisé par François Hans. Exactement. Dans lequel vous interprétez une animatrice de télévision, une sorte d'Élise Lucet. Oui. Qui mène un cache investigation qui s'appelle L'ombre d'un doute et qui tout d'un coup va voir faire éruption dans sa vie une jeune femme qui va se faire embaucher pour être son assistante de production mais qui va lui révéler que le mari de cette animatrice l'a agressée quand elle était jeune. Vous dites que ce film qui est un chef-d'œuvre, ça c'est moi qui le dis, c'est le film de votre vie. Oui, Marielle. C'est une façon de le mettre à part des autres, quoi. Mais donc j'ai vu le. Parce que je lisais un magazine en attendant de lequel on retracerait ma carrière. Je n'ai pas tourné grand-chose. Donc, il y a Marie Bénard qui commençait de vieux il y a 15 ans, c'est fort. Il y a Jacqueline Sauvage, c'est très fort. Et là, vraiment, les temps de l'actualité. Et Gabrielle Delorme dans Mourir d'aimer. Et y a, oui, Marilyn. Et Marilyn au cinéma. Et puis, un autre téléfilm avec Matt Pokora où il s'agit de l'Alzheimer. Mais je mets celui-là, donc des choses fortes, j'en ai fait. Je mets celui-là à part parce que je trouve qu'il y a eu... J'étais spectatrice, moi en tout cas, d'une excellence à tous les postes. C'est très rare, il y a une sorte de grâce, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que c'était une pièce au départ ? On avait 4 jours pour tourner, on a décidé avec Élodie et Olivier... Faut que j'arrête ? C'est la non, pub ? Non. Non, je vous vois comme ça. Si. Vous voulez faire un geste ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans 20 secondes, on balance la musique. Vous voulez dire bonjour à quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il faut Muriel. Faire ? Muriel ! Je reprends après ? C'est exactement après. Où j'en suis. Je reprendrai à la syllabe près, ma femme. Attention, si c'est pas le cas, vous aurez un gage. Ah, mais Muriel Robin était capable de relever ce défi, de reprendre à la syllabe près la phrase qu'elle elle essayait de terminer alors qu'on fait. La semaine, on aurait image. on désappuiera de pause dans un instant. A tout de suite, Damon Albarn, évidemment, de Gorillaz sera présent. Est-ce qu'il me reste encore une seconde pour annoncer la story média ? Non. Et le vu et les actualités de Bertrand. Jusqu'au bout. Attention, ding, c'est bon. Ah, c'est bon.